Bienvenue à cette célébration. L'année liturgique tire à sa fin et la parole de Dieu nous parle justement aujourd'hui d'une certaine fin, mais aussi de grands changements et de renouveau. Un peu à l'image de la nature au cours des saisons. Nous nous posons la même question que les anciens concernant notre destinée. Qu'y a-t-il après la vie actuelle? Rien ou un au-delà? Ensemble, prions avec une grande confiance, Dieu qui éveille sur notre présent comme sur notre avenir. Je vous invite à vous lever. Et du Saint-Esprit. Le Seigneur nous donne la vie, la croissance et l'être, qu'il vous accueille en sa maison et qu'il vous fasse don de sa grâce et de sa paix. Bonjour à toutes et à tous. Ainsi, tous les téléspectatrices et téléspectateurs qui se joignent à nous grâce à la générosité des personnes de CESUR.TV que nous connaissons, toujours reconnaissants envers nous, envers vous, de mettre en onde notre célébration eucharistique dominicale. Frères et sœurs, soyez les bienvenus, rassemblés dans notre Église pour célébrer avec joie le grand amour de Dieu. La messe d'aujourd'hui est offerte pour le repos de l'âme de nos amis Marcel Pilon, recommandé par Claudette et Guy Seguin, Normand Aymon par son épouse et ses enfants, Jean-Maurice Farmé par Francine et ses enfants, Jean-Guy Pronovost par la famille, les familles Gussy et Dubreuil, pour Louis-Je Saint-Grandchamp par Natacha Bernard, Donatien Wago par Gladys. Au début de cette Eucharistie, frères et sœurs, Dieu est plus grand que notre cœur. Il est pardon, miséricorde. Approchons-nous de lui avec confiance. De nos refus d'aimer et de servir, Seigneur, prends pitié. De nos hésitations à croire en ta parole, ô Christ, prends pitié. De nos réticences à espérer en ton secours, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Les lectures d'aujourd'hui sont centrées sur la fin du monde. Elles nous invitent à réfléchir au caractère fragile de notre vie, tout en nous lançant un appel à l'espérance et à la confiance. Du livre du prophète Daniel. En ce temps-là, se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des fils de ton peuple. Car ce sera un temps de détresse comme il n'y en a jamais eu depuis les nations existent jusqu'à ce temps-ci. Mais en ce temps-ci, ton peuple sera délivré de tout ce qui se trouve inscrit dans le livre. Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelle. Ceux qui ont l'intelligence resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude brilleront comme les étoiles pour toujours et à jamais. Parole du Seigneur. Partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Tu m'apprends le chemin de la vie devant ta face. Débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. De la lettre aux Hébreux. Dans l'ancienne alliance, tout prêtre, chaque jour, se tenait debout dans le lieu saint pour le service liturgique et il offrait à maintes reprises les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Jésus-Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Pour son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qu'il sanctifie. Or, quand le pardon est accordé, il n'offre plus le sacrifice pour le péché. Parole du Seigneur. Amen.
debout devant le Fils de l'homme. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ces jours-là, après une grande détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à votre porte. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, jeudi dernier, nous venons de célébrer la fête des souvenirs le 11 novembre, qui me rappelle l'histoire d'un garçon âgé de 18 ans. Des 8 ans, à un qui annonce une grande nouvelle, celle du retour de son père qu'il n'a jamais vu. Celui-ci avait quitté sa famille pour la guerre, alors que son fils n'avait qu'un mois. Après des années, son père annonçant son retour au pays, les convoque. Le moment étant venu, les garçons n'allaient pas manquer ce rendez-vous, n'étant jamais allé à l'aéroport de sa vie. Il va pour la première fois s'y rendre avec sa mère afin d'accueillir son père. Au moment de l'atterrissage de l'avion, les garçons étaient effrayés par les bruits terrifiants provenant des moteurs de l'avion. Il semble que la terre est secouée fortement. Pourtant, l'espérance de rencontrer son père va lui faire vaincre sa peur. Frères et sœurs, un peu de la même manière, quand on s'imaginait la fin du monde, et l'Église ne cesse de nous le rappeler au moins à chaque année. On pensait que les étoiles étaient pour tomber sur la terre. Les astres, le soleil, la lune et les étoiles en seraient ébranlées. Aujourd'hui, le prophète de malheur essaie d'en déterminer la date afin d'entretenir la peur de cette fin. À l'évidence, l'histoire du monde, comme la nôtre en propre, est attrayante, fascinante et comporte sa part de difficultés. Mais elle est aussi faite de joie comme dans l'histoire de ce petit garçon. Comme c'est le cas des siècles précédents, nous connaissons des périodes troubles. Il n'y a que penser au changement climatique qui menace
la survie de notre monde pourront s'en convaincre, sans oublier notre peur de l'écroulement de l'ordre social. Tout cela témoigne, frères et sœurs, de notre fragilité face à la maladie et à la mort. Oui, la vie est un souffle fragile. La lecture évangélique de ce dimanche nous rappelle à la vigilance. Il nous faut veiller dans l'attente du retour de quelqu'un, Jésus, Fils de l'homme et Fils de Dieu. Oui, frères et sœurs, cette fin inaugurera une ère nouvelle. Jésus porte ce que toutes les générations ont connu, les guerres, les tremblements de terre, le faux Messie et les persécutions. Le temps que nous vivons est celui où l'Évangile est proclamé à toutes les nations, proclamation d'une bonne nouvelle d'espérance pour ceux et celles qui croient en Jésus. Il y a toujours place pour l'espérance. Celle-ci fait appel à notre confiance. Bien que la mort soit toujours au rendez-vous, Dieu ne nous y abandonnons pas, comme dit le psaume. Oui, sur ce chemin de transformation personnelle, le cœur de l'homme est conduit à se faire attendre, à savoir s'ouvrir sans cesse à la présence divine. Jésus, frères et sœurs, invite ses disciples à être attentifs aux signes des temps pour ne pas rater le rendez-vous. Quand Jésus parle des fruits tardifs du figuier, comme l'évoque Yves Chamberlain dans le Priant, il nous invite à reconnaître dans le bourgeron l'annonce d'un été qui se fait proche. Cela m'interpelle, frères et sœurs. L'hiver est à notre porte. Cela est signifié que beaucoup de signes, feuilles qui tombent, température plus froide, soleil se couchant plus tôt, etc. Aussi, sommes-nous davantage vigilants? L'installation des garages de toiles, la sortie des pelles et souffleurs témoignent de l'immense l'hiver. L'Évangile parle de l'été comme d'un symbole de bonheur, rappelant l'amour que Dieu nous porte. Il nous prépare pour un temps meilleur. La fin du monde est l'occasion de la manifestation de la gloire du Christ, où seront rassemblés tous ses amis provenant de tout pays et de tout temps. Frères et sœurs, Jésus nous a sauvés une fois pour toutes. Il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Le genre apocalyptique est un langage traditionnel pour annoncer l'intervention de Dieu, sa victoire sur la mort et sur le mal. La première lecture que nous venons d'entendre, Caël, emprunte l'image des douleurs de l'enfantement pour nous aider à comprendre et à nous préparer à cette victoire de Dieu qui vient. Aussi sommes-nous appelés à garder vivante notre espérance dans les promesses de Dieu. C'est la force de notre foi laquelle se valide en vivant l'amour fraternel, frères et sœurs. Concluons notre réflexion en rappelant que nous sommes appelés à nous responsabiliser en restant éveillés, en demeurant prudents, mais aussi en restant remplis d'espérance et de joie. Seigneur,
Tu nous soutiens dans nos moments difficiles. Quand nous sommes tentés de douter de toi et que le mal semble le plus fort, viens nous réconforter et nous rendre espoir. Rappelle-nous que la fin des temps ne vise pas à nous effrayer, mais à cultiver en nous une joyeuse espérance dans l'attente de te rencontrer. Amen. On accepte que notre vie est fragile, mais avec la foi de Jésus ressuscité, on est fort. On a la victoire sur la mort et sur le mal. Choisis pas toujours la route, ni même le moment du départ. On n'efface pas toujours la route. La veille peur d'être en retard. On ne choisit jamais de venir. On voudrait rêver un peu plus. La vie n'est pas faite pour mourir. Souvent bien attendu. Et la vie est si fragile. On n'atteint pas toujours le but. On s'était fixé d'autres fois. On se reçoit pas souvent son dû. La justice est choisie où il va. Et la vie est si fragile. On est seulement ce que l'on peut. On est rarement ce que l'on croit. Sitôt on se pense un Dieu, sitôt on reçoit une croix. Car la vie est si fragile. Est si fragile.
imagine. Je suis fragile. Car le temps il est là, toujours là. Seule justice ici pas. On est si fragile. On marche sur l'or et sur l'argile. Dépend de ce que l'on a reçu. On reste tout aussi fragile. Pourquoi donc se marcher dessus? Car la vie est si fragile. Merci beaucoup. Même si notre vie est fragile, le Seigneur nous appelle tout le temps à se révéler, à se relever par notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, et mort a été enseveli, et descendu aux enfers le troisième jour, ressuscité de mort, et monté aux cieux, il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dans la fragilité de nos vies et la précarité de notre monde, tentons la main vers le Seigneur et disons-le. Seigneur, la force nous soutient. Pour les gens blessés dans leur corps ou dans leur âme, afin qu'ils trouvent la santé et la paix, prions le Seigneur. Pour les personnes migrantes, réfugiées, sans patrie, parfois sans espoir, afin qu'elle rencontre une main secourable, prions le Seigneur. Seigneur, que notre force te soutienne. Pour les victimes de violences physiques ou verbales, spécialement pour les femmes victimes de féminicides, de violences, afin qu'elles obtiennent protection et justice, prions le Seigneur. Seigneur, pour les gens en autorité, afin qu'ils mettent leur énergie et leur talent au service de ceux et celles qui leur sont confiés, prions le Seigneur. Seigneur, que ta force nous soutienne. Pour notre communauté, afin qu'elle témoigne de l'Évangile avec toujours plus de ferveur, prions le Seigneur. Seigneur, que ta force nous soutienne. Pour les intentions personnelles que vous portez, vous en avez certainement, j'en reçois encore à l'arrière dans le panier. Vous savez, je marche toujours avec vos intentions. Seigneur, que ta force nous soutienne. Seigneur,
toi notre lumière et notre salut. Tu es la source de tout amour. Apprends-nous à vivre en toi et de toi, maintenant et pour les siècles des siècles. Ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons. Afin de secourir tous les hommes et femmes, tu mets en œuvre ta puissance et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les gens assemblés devant toi adore ta gloire, à leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer.
vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude. En rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et rempli de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande de ta gloire pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque Noël Simard, l'ensemble des évêques, le prêtre, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi aujourd'hui et ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et femmes qui ont quitté ce monde, en tout particulier pour Marcel Pilon, Normand Aymon, Jean-Maurice Fermé, Jean-Guy Pronovost, Louise Grandchamp, Donatien Ouago, et dont tu connais la droiture, nous te prions, reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta grâce, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde
toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Toujours avec confiance, tournons-nous vers Dieu, notre Père, en disant ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Et rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ta famille Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez-vous la paix. Frères et sœurs, heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, c'est lui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas le premier à te recevoir, mais que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Corps du Christ. Amen. Afin de devenir celui qui nous unit, le corps du Christ.
Quelques annonces. Nous recommandons vos prières, M. Guy Boileau, 84 ans, époux de Mme Christiane Illy. Les funérailles ont été célébrées hier à l'église Saint-Michel. Mme Marie-Irène Pilon, 98 ans, veuve de M. Jean-Marie Massicotte. Les funérailles seront célébrées le samedi 20 novembre à 14h30 à l'église Saint-Michel. Il y aura un temps d'accueil à partir de 14h. Également, Mme Huguette Dany, 81 ans, épouse de M. Charles-Émile Gendron, et Mme Michèle Dany, 82 ans, épouse de M. André Trépanier. C'est une funéraille double. Alors, les funérailles seront célébrées le 18 novembre à 14h à l'église Très-Sainte-Trinité. Il y aura un temps d'accueil à partir de 13h. Finalement, M. Jonathan Goudreau, 43 ans, fille de Mme Diane Laplante et M. Gilles Goudreau. Les funérailles seront célébrées le 20 novembre à 10h30 à l'église Saint-Michel. Il y aura un temps d'accueil à partir de 10h. Merci de prier pour les personnes qui vivent le deuil. Merci, diacre, pour le prône. Et merci pour tous les bénévoles, à tous ceux et celles qui contribuent et assurent la bonne marche de notre célébration aujourd'hui. Ida, comme chanteuse, choriste, et Louise, comme musicien, Claudette comme animatrice, et ceux qui passent la quête, et aussi en tout particulier, oui, il n'y a pas de projection aujourd'hui. Hein? Oui. Et donc, je vous remercie aussi, le personnel de Sur TV, toujours merveilleux ce que vous faites là aujourd'hui pour notre Église, pour les gens de notre entourage. Merci beaucoup. Et je vous invite à vous lever pour demander la grâce de Dieu et la bénédiction de son bénédiction. Et merci à vous tous qui sont présents. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils. Et nous te prions humblement que cette Eucharistie est offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit, de le faire augmente en nous la charité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. On n'oublie jamais, Christine est toujours là pour nous accueillir, pour préparer les tables, la maison. Merci, Christine. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde dans son amour. Lui, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie. Hein, allez-y. Continuez. Allez-y. Bon dimanche, bonne semaine. Ouais. On n'est pas habitué.